Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, cette nouvelle série, une nouvelle série sur Broforce, donc qui arrivera potentiellement soit à la place des Elite Dangerous Horizon qui sortiront si le jeu sort le 24 et que je n'ai pas le temps de tourner avant les vacances, soit donc le 25 décembre, et là dans ce cas-là je vous souhaite un joyeux Noël, et l'autre moitié des épisodes sortira donc le 1er janvier, voilà pour les petites précisions en début d'épisode. Donc on va faire Start Game, Start New Campaign, normal, en normal, Play Offline, et nous voilà parti. En espérant que cette fois-ci ça fonctionne, chers amis. Voilà, et à mon avis ça va fonctionner. C'est une bonne nouvelle. Hop, on part des États-Unis, donc hop. On contourne l'Afrique. Et on arrive au Vietnam. C'est parti. Je ne me fais pas d'illusions, c'est pas l'histoire qui va vous intéresser, hein, c'est plutôt le gameplay. Et je vous comprends. Hop les. Et nous commençons avec un Christophe Lambert de Highlander. Hop. Donc l'objectif est toujours se déplacer dans des niveaux, atteindre la dernière mini-niveau, sauver un maximum de bro qui nous permettront de gagner une vie et de changer de personnage au passage. Tout en... bien sûr en évitant de mourir. Hop. Voilà. Hop. Et en récupérant l'hélico. Hop. Voilà. Chaque bro ayant aussi donc une arme spéciale. En temps et en heure, si on en a besoin. Tout simplement. Nous avons un machete avec ses couteaux. Hop. Oh, et là nous avons un Raiden. Encore une fois par Christophe Lambert. Hop. Bon, de nouveau un. Enfin, peut-être pas de nouveau pour vous, hein. Ouais, on a un Walker Texas Ranger. Et donc je vais vous montrer. Hop. Sa technique qui est en fait un bombardement. Hop. Donc il a aussi un shotgun et surtout le fameux coup de pierre tourné de Walker. Là nous avons maintenant un Mr. T. Un Predator. Voilà. Hop là. Et on y va. Predator qui prend l'hélicoptère bien sûr. Hop là. Nous avons un blade. Hop. Nous avons un Sylvester Stallone dans le rôle de Judge Dredd. Un kamikaze. Nous pouvons aussi jeter les corps et donner des coups de couteau. Hein. Alors lui il a un coup de taser aussi. Hop. Donc il a pas l'arme qui a la plus grande portée, hein. Souvent les ennemis ont de plus grande portée que nous. Hop. Et hop. Alors on va pousser, hop. Regardez. Ah. Voilà. On a un bro un peu plus bas à sauver. Nous avons un Schwarzenegger de commando si je me trompe pas. Là il y a une porte, c'est pour ça qu'ils m'ont pas vu. On va sortir là. Voilà. Oh.
On a un Harrison Ford. Donc de Indiana Jones. Qui va tirer qu'un seul coup. Paf. Voilà. Et nous voilà. Chose avec la chaîne une fois. Enfin avec Indiana Jones une prochaine fois. Si j'arrive à l'amener en niveau. Alors lui je ne vois pas du tout qui c'est, si vous le savez chers amis, dites-le moi. J'ai longtemps cru que c'était dans comment que ça s'appelle, dans Sin City à vrai dire. Oula. Et le chien avec, parfait. Oh, on a un Sean Connery dans le rôle de James Bond. Alors vous allez voir, il a une animation de... Vous voyez. En fait, il leur tire une balle et ils font « Ah, oh merde, je suis mort !» Hop là. Ah merde, j'ai pas vu l'explosion. Donc voilà, on est mort, donc on a... Alors, je sais pas qui c'est celui-là. Je sais pas du tout qui c'est. Oh non plus d'ailleurs. Ils ont une deuxième vie en fait. Hop. Ah là on a un Schwarzenegger dans le rôle de Conan. Hop. Voilà. Oh. Bruiser. Hop là. Tu n'as rien vu, rien entendu. Ok, il est mort. Il est mort. Ah. Hop là. Alors. Là on a un niveau 2, un niveau 3 et un niveau covert. On va aller faire le niveau covert qui permet en fait de souvent de débloquer des choses tout simplement, mais qui sont assez complexes à réaliser. Alors nous sommes avec Rambo, nous ne devons pas nous montrer. Je le connais un petit peu ce niveau. Hop. Je sais donc que si je pose une grenade ici. Voilà, et normalement si j'en pose une ici, voilà, ça fait tomber le bloc. Bloc que je ne peux pas pousser, vous en doutez. Par contre si j'en fais tomber une là, parce que si j'en faisais des regarde. Si j'étais passé là en fait fallait que je gaspille plein de grenades pour piquer. Et là en fait l'avantage c'est que je peux remonter. Passer de l'autre côté, aller chercher des grenades. D'autres grenades. Hop. Ça aurait été con. Ok. Ok. Les chiens peuvent se bouffer entre eux pour devenir plus forts. Précise. Hop. Attention, on va pas nous faire tuer bêtement. Voilà. Pas ce que j'avais prévu de faire non plus. Là non plus.
Voilà. Ah, ça a marché. Ok. Tant bien qu'il y ait des munitions par là. Bah oui, venez les chiens, y'a pas de problème. Tiens, bouffe. Et voilà. Pas difficile, t'as pas été trop difficile. Y'en a d'autres qui sont plus. Eh, voilà, on a deux côtés. Les ammo crates. Qui peuvent être très pratiques. Parfait. Hop, allons-y. Alors je sais pas combien de niveaux on va faire par vidéo, peut-être 5, 6, 7. Là on en est à 2. Alors là on a Jean-Claude Van Damme dans je sais plus quel film. Et donc je ne sais plus quel film, ce n'est pas le nom du film. Alors là je sais plus non plus le nom de l'acteur mais je vois le film. C'est New York 2077, un truc comme ça, non? Hop. Ah putain, bien joué. Alors là on a un choix de dégâts dans Terminator. Hop, donc sous les portes, vous les cassez. Ça fait que tout le monde tombe et que tout explose. Ce qui est toujours de bon goût, chers amis, hein. Vous en conviendrez. Hop. On a encore un Van Damme dans je ne sais plus où est notre fils. Si, c'est comment, c'est ça c'est putain, j'ai le nom sur le bout de la langue. Universal Soldier, ça c'est Robocop. Vous allez voir qu'il est très cheaté. Hop. Prenez donc ce que je vais faire maintenant. Hop, je peux le piquer, vous savez, avec le petit truc qui rentre dans le l'espèce de port USB entre guillemets qu'il aurait donc. Hein. Hop là. Voilà, c'est fait. Les abeilles qui vont faire leur petit boulot. Le chien qui est défoncé. Néo qui est complètement cheaté. Ah bla. Bon bah voilà. Néo qui est déjà mort. Merci. Hop. Oh. Donc ça, on s'est tous mis d'accord pour que ce soit MacGyver. Hop. Voilà. Le camion. Voilà. Ah, je suis mort, j'ai pas vu. Ah, d'accord, il y avait un autre mec derrière moi. J'avais pas vu. Donc là, on a Bruce Willis dans Die Hard. Dégage. Hop. Ça va être assez loin ou pas? Oui. Dégage. Voilà. Et yo. Et 2-3 niveaux. Voilà. Alors vous allez voir qu'en plus ces niveaux vont être de plus en plus loin à chaque fois. Comme là par exemple.
Voilà. Machete. Reste le mur. Hop les. Elle, je sais pas qui c'est, je sais qu'elle a une jambe. Intéressante et qu'il faut qu'elle se plie. Tirer devant elle, ce qui est intéressant aussi. Mad Max, original, hein, Mel Gibson. Vous avez pu voir que le chien a légèrement grandi. Et il s'est toujours pas grimpé aux échelles. Pour être sûr qu'il soit mort. Voilà. On retourne sur un prédateur. Appelez, on fait le ménage. Brochette. Hop. Ça passe plutôt bien, il y a un beau tas de cadavres. La blade, le retour, bam, dommage. Hop. Oh mais non, j'ai appuyé dessus en plus, parce que ça c'est pas en continu en fait. Faut tout le temps appuyer en fait. Alors j'ai pas compris son pouvoir encore à lui, c'est donc Mel Gibson encore une fois dans... Merde. Ah, je me rappelle plus le nom, dans Braveheart. Braveheart. Pour ceux qui préfèrent. Hop, donc là il y avait un champ de mines, ils sont tombés dessus. Alors si je pouvais le garder jusqu'à la fin ce serait cool, mais je crois qu'il y a un problème. Non. Pas encore là. Oh, Jean Reno dans... Ah merde. Nikita. De leur tir. Oh merde, il est mort. Putain, j'étais au bout de la portée quoi. Oh, fait chier. Oh mais merde, il est mort. Bon. Hop, toi aussi t'es mort. Hop là. Hop. Hop. Ah, il avait le cocktail, c'était le cocktail d'abord. Le jetpack. Et la fameuse montre laser de James. Ah ben. Allons-y. On a eu quelques cadavres en route. Judge Red. Hop. Ça c'est, vous l'avez reconnu tout à l'heure, j'ai pas pensé à le dire. Mais... Ça c'est comme un débile. Hop. Overcracké aussi. Rombo. Boum.
comment qui s'appelle, mince. Vandamme. Peut-être que c'est lui dans l'Universal Soldier, je sais plus. Hop. Alors c'était le pire mec que je pouvais tomber sur ce moment là du jeu. Puisqu'on va tomber normalement sur un boss. Voilà l'hélicoptère. TERROR COPTER. Bon, c'est pas le bon. Hop. Ah, c'est pas les bons. Cool, il faut autre chose. Hop, là-bas ça a été assez vite en fait. Parce que ils ont dû tuer le troisième bonhomme que j'ai fait pop, et du coup en fait ça les a foutus en rage, les deux ils ont tiré comme des malades. En gros c'est ça leur bonus, c'est que dès qu'il y en a un qui meurt, ils sont en mode rage, et on peut en ressusciter un des deux, ou alors on va faire apparaître un troisième. Hop. C'est parti. Arstotza. Je connais pas. C'est parti. Terminator. J'arrive pas à supporter la puissance de son arme. Oh merde. J'ai pas vu qu'il y avait de l'explosif. Il allait me péter à la gueule celui-là. Hop. Voilà. Bien les chiens. Poussez les chiens ensuite. Ah! Hop, salaud. Hop. Bruce Willis. Hop les. Voilà. Voilà. Problème résolu. Faut qu'on savoir qu'il est considéré comme un des personnages les plus. Voilà. Effectivement, il est pas génial. Le mec il change de version. Hop là. On peut hop. Parfait. Oh. C'est ça qui est saoulant, chers amis, c'est que le zoom en fait est pas assez conséquent et du coup les ennemis peuvent vous tuer de loin. Mais bon. L'avantage c'est que vous aussi. Dégage! Ah, je peux pas l'envoyer vers l'autre. Hop les dégage. C'est fait. Alors, Will Smith. Here come the man in black. Hop. De toute façon avec le cricket il aurait pas fait long feu. Bah alors, on a faim les mecs?
Hop. Voilà, et à chaque fois, plus il tue de mec, en fait, plus il devient balèze. Et remarquez, il a gagné deux petits éclairs de forme d'éclair sur le... Ah, bien joué, merci d'avoir fait tes potes. Merde, j'aurais bien aimé utiliser les éclairs avant, c'est pas grave. Bien, le suicide du chien. Hop là. Donc on m'a checké ici. Hop là. Crac. Ça passe plutôt bien tout ça, chers amis. Oula. Hop. Oh, un Raiden. Je suis pas un petit peu coincé là. Voilà, je préfère Néo. Tu peux faire en fait deux. Hop. Blah. Voilà. Ah non, dommage, j'aurais essayé. Ah. Ok. Non. Cassez machine. Il faut reconnaître que normalement il connaît pas. Attendez, il y a un bro par là. Oula, j'ai eu peur, je l'avoue. Ouais, mais pas par là. Hop. Il s'est suicidé en disant Broforce. Merci à toi, l'ami. Ah, cool. Oh putain. Juste pour voir. Oui, ça marche. Cool. Hop. Bon, bah c'est pas trop mal. Dommage. J'arrive pas que ce soit plus loin. Oh. Oh, il renvoie les balles. Oui. Oh. Bon, c'est pas passé loin. Oui. Hop là. Boum. Oh, Jean Reno. Ah, oh, putain, il a une portée de moisi avec son arme en fait. Attends, c'est con, j'adore Jean Reno personnellement. Ah oui, c'est vrai, elle avance à rien elle. Hop. Oh, Pierce Brosnan. Ok. Avec sa vodka martini.
shaker, pas à la cuillère. Ok. Blade. Ok. Parfait. Alors normalement. Voilà, je peux envoyer les balles avec ça. Non, le chien, pas bien. Voilà, vous avez plus de cadavres à bouffer. Pour savoir que Blade a une super capacité de saut, du coup, hein. Oh, dommage. Turret Cannon! J'aurais tenté le coup. Là, mais c'est quoi qui me fait péter à chaque fois? Pourquoi je pète à chaque fois? Hop. Alors, niveau 5, niveau 4, et un autre niveau covert. Un niveau covert. Twelfth level, la préco. Alors, allons-y, allons-y, allons-y. Hop. Oh, c'était dur ce saut, dis donc, ouais. Eh ouais. Tu n'as rien vu, rien entendu. Non. Je les ai vus juste au moment où ils tombaient en fait. Ah, puis on reprend là, c'est dommage. Dessus, d'accord, donc il y a des trucs à pas faire. Rumble. Rumble. What? Mais qu'est-ce qui m'a tué? Bon, c'est gros ça. Ok, oh là je sens le coup de pute. Putain de merde. C'est quoi ce saut de la mort? Ah oui, putain. Alors, ce saut de la mort il se passe comme ça chers amis. Hop, vous glissez, et là vous profitez de l'accélération. Et vous mourrez. Alors je me rappelle, ce truc là il est extrêmement dur à faire. Hop. Comment je suis censé faire là? Parce que là je meurs, hein. Là c'est clair. Là c'est clair, je meurs, chers amis, malheureusement. C'était comme ça qu'il fallait que je passe. Honnêtement, j'en doute, hein. Hop, bon, bah, on est passé au final, hein. Avec beaucoup de difficultés, mais on est passé.
Ou alors fallait que je profite encore d'une accélération et faire 3-4 choses. On a chopé des vitamines, mais les vitamines, je vois pas à quoi ça correspond, on n'en a pas trouvé une seule. Ils sont en fait des stéroïdes, hein. Soyons honnêtes. Vous les avez vus, les vitamines? Pas moi, niveau 4. Hop. Ça explose de partout, littéralement. Hop. Oh merde! Ça pète de partout! Bon, je rentre par là. C'est mon pote. Hop! Et encore par là, putain, ça a failli. Hop là! On y retourne! Oh non, je l'ai même pas vu venir. Non. Hop. Oh merde. Hop, voilà. Mais non. Je suis passé au travers, mais c'est un coup de chance. Ah bah lui s'est suicidé carrément. Hop. Voilà. Hop, c'est parti. Compliqué celle-là, hein. Et ça continue encore et encore. Que le début. Ma voiture. Mon taxi. Ça finit. America, fuck yeah. Blah. Hop, tant que je suis en Terminator, je suis immortel. Bien sûr, j'ai qu'une seule vie à ce truc-là. Enfin, qu'une seule recharge à ce truc-là. Oh. Hop. Tu n'as rien vu. Et celle-là, tu l'as vu venir. Oh putain, ils étaient nombreux en plus. Hop. Et la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Hop là. Et oui, comme les vrais Terminators. Comme les vrais Predators, pardon.
Ah, il l'a esquivé, vous avez vu? Dégage! Ah, je les aime pas, Hop. Infiltration! Hop! Ah! Enfin, un personnage qui me correspond à pas mieux. Hop! Machete! Ah, les stéroïdes, si, les voilà, regardez! Alors, à quoi ça sert? Ah, blanche! Ah, il a plusieurs fois la pile rouge. Bah, j'avais pas sauvé celui-là! C'est là que j'ai eu macheté, non? Non, j'ai pas eu dans le bon sens. J'aimerais monter, s'il vous plaît. Monter encore. Monter. Et... ah, ça fait du bien. Hop. Indiana Jones. Bonjour. Alors, s'il me tue pendant la cinématique, ça va pas le faire. Hop. Alors. Hop. Un Mad Max. Oh merde. Bon bah Jean Reno, donc Léo Terroriste. Dommage. Pourquoi il vole celui-là, je sais pas du tout. Enfin le mien, on comprend. Hop les... dégage. N'inquiète pas, il va revenir hein. Pourquoi il se montre comme ça? Parce qu'il est sous stéroïde. Ah c'est bizarre, ça fait ça. C'est parce qu'il était encore sous stéroïde. Est-ce que les stéroïdes c'est pour tout le niveau, je sais pas. Niveau 5. Ce qui va nous faire à peu près 7 niveaux au total, donc ça pourrait être intéressant de s'arrêter sur ce prochain niveau. Alors, Raiden, pas le meilleur. Oh putain, j'ai testé le niveau. Oh putain. Ah, ça va être chiant. Blade, ah, ça tombe bien. Hop. Hop. Elle par contre, elle tombe très très mal, littéralement. Hop. Ah oh, putain de chien. Wow. Wow. Laissez-moi passer. Laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Ah bla, ça m'a touché. Ah bla.
Oh! Mais ce mec! Dégage en haut! Faut dégager! Oh putain! Phew! On vient de mal! Oh merde! Go, go. Oh, mais non, mais tombe! Christophe! Hop! Découpe des têtes! Maintenant, il faut passer! Je ne fais que passer, Maus! Oh, mais non! Eux, ils peuvent tirer à travers, en fait! Blah, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non! Bon! Hop! Oh, what? C'est le chien qui m'a bouffé? Oh non! Mission failed! Wouh! Oh! Forcément, puis le moment où je passe, il saute. Blah, non. J'ai pas réussi à l'exploit. C'était stylé, donc je vais essayer quand même. Oh non! Oh non, c'est pas possible! Ah putain! Ah bla! Ah bah non! Bah MacGyver il s'est pris une bombe dans la gueule! Hop les! Bla! Bah non! Non plus! Bro! Bon, on y va! Brave! Dégâts bruts! Bah non! Pas dégâts bruts! Jean Reno. Bah ça t'aura pas servi à grand chose. C'est bon les stéroïdes hein, mais oh putain. Je vais pas tomber sur. Hop. Oh mais non, il se suicide. Hop. Ça m'aurait tué, putain. Oh! Mais quel chien peut faire face à... Bon, blah. Et il se marre en plus, il se fout de ma gueule! Non! D'ailleurs, compagnon! Hop. Ah
Où il est? Non! Vous avez vu la pourriture de ce jeu? Dégage! Dégage, je te dis! Dégage! Putain, mais il est immortel celui-là! Oh putain! Non! Dégage! Non! Hop là! Ah non! C'est bon! Pfiou! Tant bien que mal, hein! Oh mon dieu! Oh, j'en ai les yeux qui piquent! Tellement je t'ai concentré! À mon tour! Hop! Je savais pas ça, tiens. Je pouvais partir en diagonale. Hop! Oh non, il y avait un explosif! Non! Putain, j'étais mort, quoi qu'il arrive, parce qu'il y avait l'explosif en dessous et le machin en haut. America! Fuck yeah! Dommage. Ah bah, non plus. Je crois que le rush va pas marcher. Hein. Oh, ok, pourquoi pas. Ok. Dégagé. Oh merde, il y avait la porte. Hop. Hop. Voilà. Oh merde. J'ai complètement oublié le criquet, mais quel con. Tu me le donnes. Hop. Où les mines? Où les mines que j'ai pas découchées? Hop. Oh. Oh mais non. Mourez tous! Non! Hop, voilà. Je voulais m'assurer qu'il crève, celui-là. Oh merde! Le boss, c'est le boss. Stonk!
série. T'es vachement vachement camouflé hein. Incroyable. Non. Oh non! C'est pas possible! Bro! Bon. Non, putain! Oh, mais putain! Allez! Non! Hop! Mais non, pas lui! Casse la machine! Voilà! Casse la machine, je t'avais dit! Save le bro! Bon! Bah, je me suis bien pété la voix, je l'avoue, c'est mal. Oh la gueule! Bon, bah écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode de Broforce. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, donc vous retrouvez le lien dans la meilleure de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour ton aventure dans Broforce, salut les gens. Yup.